EA Games. Challenge everything. Ok, j'ai des infos take down pour vous. Écoutez ça. Salut à tous, Starman pour vous servir sur Crash FM. J'ai quelques minutes pour vous expliquer les règles de Burnout. Pour être le meilleur burner, il faut gagner des courses. Mais pour ça, vous devrez prendre des risques. Qu'est-ce qu'on y gagne? C'est simple, du boost. Et le boost, il n'y a rien de mieux pour booster votre caisse. Utilisez ce boost quand vous voulez pour rester dans le feu de l'action. Bon, je vous explique. Les risques peuvent être pris partout dans le monde de Burnout. À chaque risque, sa récompense. Capito? Frôler les autres voitures. Circuler en sens inverse. Enchaîner les dérapages. Coller au pare-chocs de vos adversaires. Éviter les crashs. Et la liste est longue. Le top, c'est même carrément de prendre plusieurs risques à la fois. Ok, c'est une chose de gagner du boost. Mais on peut aussi le voler. Vos seuls mots d'ordre doivent être... Rub. Slam. Shunt. Et grind pour tout détruire. C'est le meilleur moyen de gagner un max de boost pour faire un carton immédiat sur la route. Si vous avez vraiment le goût du risque, essayez-vous au takedown. Le takedown consiste à liquider un de vos adversaires. Un moyen rapide de remplir votre barre de boost. Mais si c'est vous qui subissez un takedown, votre barre de boost se vide. Ok, une super nouveauté, le crash after touch. Lors d'un crash, si vous activez le ralenti du crash, vous pouvez alors diriger votre véhicule. Eh, c'est pas cool ça? Avec le Crash After Touch, réussissez des takedowns ou accédez à des endroits interdits aux autres crasheurs. Cette annonce vous a été proposée par Crash FM. Ok, voici un grand classique. 6 pilotes totalement parés, un seul vainqueur. Le suspense est roi.
Crash FM de retour. Quelque chose se trame près de Silver Lake. Si c'est pas encore un concours de pêche à la carpe, alors ça veut dire que nos burners s'apprêtent à faire une démonstration. Pour tout savoir sur les courses, restez sur Crash FM. HFM de retour. Vous aimez la chaleur? Si c'est pas le cas, alors l'autoroute I-11 va vous faire très mal. Si possible, ne partez pas. Pour tout savoir sur les courses, restez sur Crash FM.